Bonsoir tout le monde et bienvenue à Balado Ludique, une diffusion Twitch entièrement dédiée aux jeux, plus particulièrement aux jeux de table et aux jeux de société. On continue notre spécial confinement ce soir et comme vous pouvez le voir, l'ambiance est feutrée. Et j'ai sorti le micro de lecture. Vous savez donc à quoi vous attendre maintenant. Soirée tranquille, relax. Si vous écoutez ça en rediffusion, assurez-vous que c'est le soir, que vous pouvez mettre vos écouteurs bien tranquilles et vous endormir paisiblement à la moitié de l'épisode. Donc ce soir, un épisode lecture. C'est une nouvelle chose qu'on essaye, bien entendu, histoire de détendre les gens un peu en ces temps difficiles. Donc, rapidement comme ça, on va tout de suite se lancer dans la soirée. Qu'est-ce qui sera au programme ce soir? Comme vous savez, c'est toujours un petit peu des surprises ce qu'on a pour vous. Eh bien, ce soir, ce sera un peu la même chose que d'habitude. Des surprises au programme. Alors, j'essaie juste de faire une petite correction ici pour vous montrer ce qui va se passer ce soir. Vous connaissez des fois hein, ça, la magie du direct, c'est jamais exactement comme on veut. Donc, finalement, nous sommes là. Bienvenue à Balado Ludique. Bien entendu, nous sommes un podcast, mais en ces temps difficiles, on essaie de faire des lives. Bien entendu, on fait ça à des heures un peu bizarres sur des médiums qui ne sont pas habituels pour le monde du jeu. Mais on vous invite tout de même à réécouter ça en rediffusion. On essaie de les faire les plus réécoutables possibles. Sinon, sur la scène des créateurs de contenu de jeux de société, qu'est-ce qui se passe ces temps-ci? Eh bien, on a des horaires assez chargés. Comme vous pouvez voir, toute la semaine, il y a des choses. L'école du jeu, EtuGame, le Randolph, la récréation, Make Chokes aussi sont là. Et la semaine prochaine, ça se continue aussi, c'est très chargé. D'ailleurs, ratez pas notre live du 6 avril, ça risque d'être assez exceptionnel. Sinon, qu'est-ce qu'on vous prépare aussi? Donc, en plus de ce live du 6 avril, on vous prépare une soirée Roll and Write, ou choisis et coche, comme on dit. Alors, on va jouer au Château de Bourgogne, jeu de dés. On va jouer à Welcome, tout le monde joue à Welcome, mais c'était une demande spéciale de certains de nos fans, alors on va quand même faire une petite partie de Welcome. Ensuite, on va jouer à Tetra Village, un jeu prototype que probablement personne ici ne connaît, donc je crois que ça va être assez intéressant de jouer à une exclusivité qu'on a mis la main dessus. Et finalement, Rolling Realms de Jamie Stagmeyer, donc ce nouveau choisi et coche créé spécifiquement pour la situation. Donc, Stonemaier Game qui nous apporte un peu de réconfort en ces temps difficiles. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va jouer à deux jeux. On va jouer à Two Interviewees, un petit jeu rapide, là, donc de deux interviews en même temps. Vous allez voir le concept, c'est assez intéressant. Et ensuite, on va jouer à Si j'avais su. Donc, une fiction interactive, c'est sur ça qu'on va s'endormir. Donc, maintenant, pendant que je prépare le terrain pour la suite, laissez-moi vous parler un petit peu de la situation actuelle. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde se sent bien. C'est important de continuer de respecter le confinement. On est à un moment charnière, en fait. Les gens, jusqu'à maintenant, sont assez bons. Sont capables de respecter la situation, mais on aura besoin d'un petit effort supplémentaire pour continuer et finalement passer au travers de cette crise. Je crois qu'on a besoin de l'effort de tous et de toutes. Ça va être bien important. Donc, on est bientôt prêt pour Two Interviewees. Je sais pas si la musique va être trop forte, elle me semble affreusement forte en ce moment. On va essayer de réduire ça un petit peu.
Ok, donc ça semble un petit peu mieux déjà. Et on va vous le mettre, bien entendu, à l'écran. À l'écran, il s'agit de Two Interviewees. Oh, donc c'est ça, on en avait deux d'ouverts. Alors ça, c'est un petit jeu. Un petit jeu, en fait, qui a été programmé dans le cadre d'un game jam, si je me trompe pas, et qui a été révisé par la suite. Donc, ça devrait être assez intéressant. Concept du jeu, c'est quoi le concept, si je peux l'avoir à l'écran? Ce soir, c'est difficile. J'ai de la difficulté à vous présenter les fenêtres que je veux. Des fois, c'est plus facile que d'autres fois. Vous savez, ça c'est la magie du direct. Alors pour ceux qui se joignent à nous, soirée lecture tout en douceur. Est-ce qu'on va réussir à commencer notre premier jeu? Oh, on l'a vu un tout petit peu, mais malheureusement, il n'est pas présent. On n'arrive pas à l'avoir. Est-ce qu'il y a une raison pour ça? Donc là, j'essaye de vous montrer Two Interviewees. Je crois qu'il va être un jeu assez intéressant. On va tout simplement le fermer et le réouvrir. Alors, ce sera une dernière chance pour ce jeu. Sinon, on passera directement à la suite. Vous savez, c'est la magie d'être en direct. Ça se passe jamais exactement comme on veut. Donc, nous allons faire une prise 2. Vous entendez sûrement la petite musique quand même du jeu, mais on est incapable de le voir. Two interviewees. Alors, c'est un jeu dans lequel, et là j'espère qu'on va pouvoir le jouer si je commence à vous l'expliquer, c'est un jeu en fait dans lequel on va jouer deux candidats, dans le sens où on va jouer un homme et une femme qui s'en vont passer une entrevue. Bon, finalement, nous l'avons ici devant nous. Deux candidats, ça c'est le nom du jeu en français. Donc, on joue deux candidats, c'est un tout petit jeu, hein, ça devrait pas être très long. Homme et femme, et on va aller passer des entrevues dans le but d'avoir un emploi. Donc, on est un homme et une femme. Martin, reste calme, respire lentement, sois confiant. Irène, c'est la femme, reste calme, respire lentement, sois confiante. Est-ce que je mets mes bijoux ou je ne devrais pas mettre de bijoux? Et là, ce qu'on comprend rapidement dans ce jeu-là, c'est que ce qu'on dit, on va le dire dans les deux cas, qu'on soit un homme ou une femme. Alors, je vais mettre des bijoux. Je pense que on veut se mettre le plus beau possible. Alors, l'homme s'est mis une petite boucle d'oreille, la femme des boucles d'oreille et un collier. Parfait. Et le responsable du recrutement nous dit bonjour. Je dis bonjour. Entretien 9 h AM, nous sommes pile à l'heure, donc nous sommes assez ponctuels. Martin Dupont et Irène Marchand. Oh! Alors, le fait que j'ai des boucles d'oreilles me cause un problème, ça dit look extravagant, est-il gay? Alors que Irène, il dit élégante et jolie. Donc ça commence pas très bien pour Martin. Dire commençons l'entretien. Oui, c'est parfait. Comment vous décrirez-vous? Et là, encore une fois, c'est un choix pour les deux. Et je trouve que, ben, en fait, c'est sûr que c'est la particularité du jeu, mais je trouve ça vraiment intelligent comment ils ont pensé ça, en fait. Une personne compétente, ambitieuse, professionnelle, une personne discrète et appliquée, ou que voulez-vous dire par là? Une personne compétente, ambitieuse et professionnelle. Je pense que c'est la réponse que tout employeur voudrait entendre. Oh, et Martin dit déterminé, alors que pour la fille, c'est considéré comme étant arrogant. Irène est considérée comme étant arrogante parce qu'elle a dit qu'elle était déterminée, professionnelle et compétente. Ouh là là. Ok, d'accord, alors on va continuer. Bon, vous avez visité notre site web pour voir ce que nous faisions? Oui, bien sûr, de la business intelligence et des travaux de maintenance, bien sûr, du conseil en B2C et B2B et B2C. En fait, je ne l'ai pas bien compris. Bien sûr, du conseil en B2B et B2C. Cela fait partie de nos activités, mais ce n'est pas tout. D'accord. Nous visons une satisfaction complète des exigences des clients par une intervention personnalisée juste à temps en utilisant des technologies dernier cri.
On voit que c'est une firme de IT qui dit un peu de la bullshit. Je vois. Avez-vous les compétences nécessaires pour le poste pour lequel vous avez candidaté? Absolument. Absolument. Oh, compétent et compétente. Donc, on voit qu'en répondant par l'affirmative, au moins, il nous a jugé les deux comme étant compétents et compétentes. Où vous voyez-vous dans 20 ans? Sur une plage caribéenne, avec une famille et une carrière solide, être une personne concentrée sur ses objectifs, je ne sais pas. Une famille et une carrière solide. Oh, bon principe moraux pour Martin, alors que Irène, ce qu'on note ici, c'est risque de grossesse. Alors ça, c'est assez dramatique, merci. Risque de grossesse, donc c'est pas exactement qu'est-ce qu'on veut quand... ouais, c'est pas très, très sympa comme, comme notation. Puis-je vous demander quelle est votre situation familiale? Je prévois vivre avec mon conjoint et on verra pour la suite. Être sans emploi m'empêche de considérer le mariage. Cela me plaît d'être célibataire. La question n'est-elle pas un peu hors sujet? Pour l'instant, cela me plaît d'être célibataire. Pas d'enfant, vieille fille. Aïe, 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 aïe. Alors, on voit que les femmes, en général, ont beaucoup plus de problématiques sur certaines questions qui sont assez anodines. Quel salaire comptez-vous percevoir? En termes de revenus annuels bruts, oui. Parfait. Disons 20 000, 30 000. Alors, c'est des salaires assez, assez modestes. On va mettre, mettons, là, c'est sûr que là, il y en a un qui est plus gros, un qui est plus petit. On va dire, mettons, disons 30 000. OK. Oh, demande trop. Alors que l'homme, c'est juste noté qu'il demande 30 000. Donc, c'est déjà assez choquant. Je vais être honnête, je ne suis pas sûr de vous embaucher, mais je communique avec vous ma réponse bientôt. OK. Oh! Et là, on dit merci en espérant vous revoir bientôt, mais on peut aussi dire, je pense, ça vous dirait un verre après le boulot. Alors ça, c'est assez touché, mais juste parce qu'il me propose l'option, j'ai le goût de l'essayer. D'après moi, ça va bénéficier Irène, qui s'est mis belle, mais c'est... C'est pas moralement acceptable, mais bon, on va quand même y aller. Merci pour la proposition, mais je pense que mon épouse veut que je rentre tôt pour le dîner. Oh! Oh, et là, en fait, ça dit « gay » et l'autre « traîné ». Donc, ça c'est pas très bien solvé, cette histoire, malheureusement. Note finale 6+, note finale 6-, ne pas embaucher. L'autre est en attente, alors on est à 6 sur 10. Nous avons rendez-vous au parc. Tu portes des boucles d'oreilles que je t'ai données. Ah, alors c'est un couple en plus, Martin et Irène. Alors, Martin lui dit, tu portes les boucles d'oreilles que je t'ai données. Salut chérie, salut ma douce, comment s'est passé ton entretien? Pas vraiment bien, je crois qu'ils vont tout de même me prendre, dit Martin. Et le tien? Mal. Ils m'ont appelé alors que j'arrivais ici pour me dire qu'ils ne prendraient pas, qu'ils ne me prendraient pas. Ah, alors Irène ne l'a pas eu, malheureusement. Martin est désolé pour elle, Irène aussi. Oublie ça, tu m'as, moi, je peux travailler pour deux. Oh là là, game over. Oui, je t'ai. Irène est contente. Alors, quel que soit le degré d'escolarité des femmes américaines, touche moins que leurs homologues masculins. Une plus haute éducation fait gagner plus d'argent aux femmes, mais ne comble pas les inégalités. Données de 2014. Alors, c'est quand même un jeu engagé. On va parler ici de Serious Game. Donc, c'était tout petit, hein? Ça a duré quoi? 10 minutes à peine. Je crois qu'on peut faire une autre run, justement, pour voir qu'est-ce que ça peut donner. C'est tellement pas long qu'avant de se lancer dans quelque chose d'un peu plus lourd, on va bien s'amuser un petit peu. Donc, alors, on se rappelle, on va jouer deux personnes, un homme, Martin, et une femme, Irène, qui s'en vont passer le même entretien d'embauche, la même entrevue. Toutes les réponses qu'on va donner vont s'appliquer autant au gars qu'à la fille. Donc, c'est un jeu où on vit la dualité au maximum. Et cette fois-ci, nous ne mettrons pas de bijoux. Donc, Martin ne sera pas taxé d'être gay. Par contre, ça va peut-être... ils vont peut-être dire que Irène a une apparence moins bien soignée. Pile à l'heure, nous sommes... la ponctualité à un entretien est une chose que j'apprécie. Oui, parfait. Oh, bonne apparence pour Martin. Irène, jolie mais négligée. Alors, on savait que ça allait arriver, malheureusement. Tout à fait triste. Commençons l'entretien. Oui, excellent. Comment vous décrirez-vous?
Je pense qu'une personne discrète et appliquée, c'est un bon terme pour nous décrire. Oh, alors, elle est taxée comme étant anxieuse, alors que lui, il n'y a rien du tout qui est ajouté à son dossier. C'est même pas, ça vaut même pas la peine de le noter. Est-ce que vous avez regardé ce qu'on a fait sur votre site, sur notre site web? Est-ce que vous avez vu ce qu'on offre comme service? Oui, j'ai regardé, mais je n'ai pas très bien compris. Je vais vous expliquer. Nous visons une satisfaction complète des exigences des clients par une intervention personnalisée juste à temps en utilisant des technologies dernier cri. Donc, c'est un peu de la bullshit d'IT, comme on a vu tout à l'heure. Il offre rien pantoute. Je vois, je vois. Avez-vous les compétences nécessaires pour ce poste? Je crois que oui. Je crois que oui. Je crois que oui. Je crois que oui. Et là, il nous met compétent avec un point d'interrogation. Sommes-nous compétents ou compétentes? C'est pas clair pour lui. Il sait pas exactement. Où vous voyez-vous dans 20 ans? Malgré tout, on est des gens de carrière. Une personne concentrée sur ses objectifs. Je crois que c'est là qu'on se voit dans 20 ans. Ok, puis je vous demandais quel. Et là, il n'y a rien noté sur une personne concentrée sur ses objectifs. Donc, on voit qu'on prend un chemin vraiment de discrétion absolue. Puis je vous demandais quelle est votre situation familiale. C'est bizarre, c'est bizarre. La question n'est-elle pas un peu hors sujet? Ça me semble peut-être un peu bold de répondre ça. Je pense que je vais y aller pour la même stratégie que la première fois. Ça me plaît d'être célibataire. Pas d'enfant, vieille fille, malheureusement. Donc ça, c'est toujours assez dommage. Quel salaire comptez-vous percevoir en termes de revenus annuels bruts? Cette fois-ci, on va viser pour le salaire en bas de l'échelle. Oh, alors le gars est désespéré. La fille, tout simplement, on a noté qu'elle a demandé 20 000. C'est définitivement faisable. Super. Je vais être honnête avec vous. Je suis pas sûr de vous embaucher, mais je vais bientôt vous communiquer ma réponse. Oh, est-ce qu'on essaie encore de le séduire? Je pense qu'on va juste y aller. Merci, en espérant vous revoir bientôt. Au revoir. Note finale, 7 pour le gars à embaucher. Note finale, 5 moins pour Irène, malheureusement. Mademoiselle, pourriez-vous me faire un café? Certainement, monsieur. Alors, ils ont rendez-vous au parc parce qu'on se rappelle que nous sommes un couple à la fin. Et ça doit être assez similaire. Et là, Martin, par contre, est sûr d'avoir le boulot. Et elle, malheureusement, elle a dit qu'elle s'était fait appeler et qu'elle n'allait pas avoir la job. Donc, assez dommage. Mais Martin peut travailler pour deux. Game over. Alors, encore une fois, une mère britannique sur cinq s'est sentie harcelée ou critiquée au travail à cause de sa grossesse. Une sur neuf a dû démissionner car elle était enceinte. Alors, c'est terrible. Donc, on voit que c'est déjà très, très, très difficile d'aller chercher l'emploi pour la femme qui y règne. Là, c'est la deuxième fois. On va faire une troisième run. On veut aller chercher la job. On veut que Irène ait l'emploi cette fois-ci. Alors, elle met des bijoux et là, je vais la jouer en accéléré. Donc, on est pile à l'heure. Magnifique. Parfait. Oh, look extravagant, on le sait, oui. Oui, donc là, je vais y aller assez rapidement. On connaît la partie maintenant. Comment je me décris? Que voulez-vous dire par là? On va dire ça, en fait. Oh, impertinent, impertinente. Malheureusement, je crois qu'on n'aura pas le travail. Oui, bien sûr, d'intelligence de business, mais là, ils font d'autres choses aussi, je vois. Oui, j'ai absolument ce qu'il faut pour ce poste. Où voyez-vous dans 20 ans? Bien entendu, sur une plage carabinienne, un verre à la main. Oh, femme entretenue, flemmard. Ok, donc là, ça c'est vraiment, on est en train de passer. Ouf. Et on a accumulé tellement de problèmes directement pour Martin qu'il est renvoyé sur le champ. On n'a même pas pu terminer l'entrevue, malheureusement. Bon, le. Ah, ok, c'est bon, on va même pas lire ça, c'était trop triste. En fait, on n'a pas eu l'emploi. Et là, vous comprendrez, je refais une run rapide, je vais mettre mes bijoux. Avoir un point positif pour Irène. Oui, un petit crochet. Parfait. Commençons l'entretien. Comment me décrirais-je une personne discrète et appliquée? Anxieuse, malheureusement. Alors, on voit que la fille, si vous vous rappelez bien les trois choix, n'a aucune possibilité de bonne réponse à cette première question. Donc, comment vous voyez-vous? Il n'y a aucune chance qu'elle peut dire. Je l'ai fait, mais je n'ai pas bien compris. On sait que ça, c'est une question qui nous donne aucune pénalité.
Avez-vous les compétences? Absolument. J'ai les compétences pour ce poste. Où je me vois? Je ne sais pas. Super. Donc, on voit que ça ne vaut aucun point négatif. Ma situation familiale. Être sans emploi m'empêche de considérer le mariage. On pourrait peut-être prendre ça. Oh, prévoit de se marier, chouineur. Alors, on fait que perdre des points. On va dire 20 000 encore une fois. Et alors, vous voyez, quand on essaye d'avoir l'emploi en tant que femme, on le perd en tant qu'homme. Donc, je vais arrêter ça maintenant. Peut-être une dernière run, juste pour la forme, parce que là, ça me rend vraiment inquiet de ne pas pouvoir continuer. Oui, ben on salue tout le monde qui se joint à nous, le Temple du Meeple, qui nous dit qu'on devrait jouer ça un peu plus tôt pour endormir les enfants. C'est une possibilité que je n'avais pas envisagée, en fait, effectivement. Je pourrais peut-être travailler là-dessus. On va voir qu'est-ce qu'il y en est. On va essayer de passer two interviewees, puis on s'en va dans l'histoire directement. On se disait, les enfants, c'est vrai que les enfants ont besoin d'être endormis, mais... Ouais. On voulait endormir les adultes. Nous, les enfants, ils ont déjà beaucoup d'attention ces temps-ci. Ce qu'on veut donner, c'est un peu d'amour pour les adultes. Donc, on essaie d'avoir l'emploi en tant qu'Irène. Ceux qui nous suivent depuis tantôt, vous voyez, donc je suis élégante et jolie. Maintenant, que dois-je faire? Donc, on se rappelle que la fille n'a aucune possibilité d'avoir une bonne réponse. On va mettre quand même personne compétente, ambitieuse et professionnelle. Je me fais quand même taxer d'arrogante, mais ça m'enlève pas de points, on dirait. Bon, ça, c'est une question sans incidence. On le sait maintenant. Avez-vous les compétences? Absolument, j'ai les compétences pour ça. Donc, je suis compétente. Où vous voyez-vous dans 20 ans? Ça, c'est une... C'est difficile de répondre parce qu'on a peu de choix. Mais je ne sais pas. On le sait que ça affecte pas notre résultat. Donc, je ne sais pas. Prévoir ce que la vie nous réserve n'est jamais aisé, dit le responsable du recrutement. Effectivement, merci beaucoup, monsieur. Là, je sens qu'on est plus près. Oh, la situation maritale, on va dire, ça me plaît d'être célibataire. Je crois que c'est. Je prévois vivre avec mon conjoint et on verra pour la suite. Je crois que ça, c'est la meilleure réponse. On l'a jamais essayé d'ailleurs. Prévoit se marier, célibataire pour l'instant. Alors, on voit, ça c'est intéressant, comment est-ce que, tout dépend si on est un homme ou une femme, on dit je prévois m'installer avec mon conjoint, on va voir pour la suite. Pour la fille, on dit directement qu'elle prévoit de se marier, alors que pour le gars, on dit qu'il est célibataire pour l'instant. C'est quand même pas pire de voir comment c'est perçu. Pour le salaire, on va aller chercher le petit salaire. Malheureusement, on sait que ça amène des points négatifs pour Martin, mais pour la fille, c'est parfait comme ça. Pas sûr de vous embaucher, on va voir la note. Oh, est-ce que là, on essaye de. Est-ce qu'on essaye de le séduire? On a déjà essayé ça, ça n'a pas très bien marché. Je pense qu'on va tout simplement arrêter en disant merci, au revoir. Note finale pour le gars 5 plus, ne pas embaucher. Note finale 6 moins pour la fille, ne pas embaucher. Alors, on a fait tout ce qu'on devait faire pour la fille. Je me demande même si c'est possible d'être engagé en tant qu'Irène pour ce poste. Game over. Dans la plupart des pays européens, les salariés du secteur public jouissent d'un écart salarial moins important. Dans le secteur privé, 6% au Royaume-Uni, 6% au Royaume-Uni, 9% en Italie, 17% en Belgique d'écart entre les hommes et les femmes. Donc on voit qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire. C'était notre petit moment engagé de la soirée. Maintenant, on va se porter directement au cœur de l'histoire. C'était pas mal ce que les gens voulaient ce soir, je crois. Alors, installez-vous confortablement. Détendez-vous. On va passer un bon moment. J'ai aucune idée, encore une fois, l'histoire qu'on va lire. Je devrais peut-être les lire à l'avance, mais si je les lis à l'avance, ça gâche un petit peu. La surprise et l'excitation, en fait, de travailler là-dessus. Donc, ce soir, ce qu'on va lire, c'est Si j'avais su. Donc, une histoire de château, une histoire
Donc, c'est là qu'on y va ce soir. Alors, fermez les yeux, prenez un bon moment. Si vous avez un petit scotch à la main, ce soir, c'est le Jameson Stout Edition qu'on va déguster. Si j'avais su, je sais pas, est-ce que ça dure 15 minutes, est-ce que ça dure une heure? Je n'en ai aucune idée. On se lance par contre pour la totale. C'est ça qui est ça. Le royaume d'Embaumie est en deuil. Sa reine bien-aimée vient de mourir. Elle avait tout de même régné 5 ans, ce qui est un exploit dans ce pays. C'est votre tour désormais de monter sur le trône. Saurez-vous relever le défi et gouverner votre peuple avec bienveillance et justice? Bien entendu, je monte sur le trône. Votre mère, la reine du royaume Embaumie, vient de mourir de façon tragique. En effet, elle a avalé une potion que sa conseillère, la sorcière Brunhilde, lui avait préparée. La reine pensait boire un philtre de vigueur, car de longues célébrations s'étaient déroulées depuis plusieurs semaines pour fêter l'arrivée de l'hiver. Cependant, la sorcière, encore éméchée de la veille, s'est trompée dans les ingrédients et a préparé une potion mortelle à la reine qui a succombé sur le champ. En tant que la fille de la reine Victoria, oh alors nous sommes une fille absolument encore une fois, donc c'est une habitude dans les histoires narratives d'être un personnage féminin pour l'instant. En tant que fille de la reine Victoria, vous vous retrouvez propulsée sur le trône. Le jour même, vous entendez à travers la fenêtre ouverte du château le peuple crier « Mort de la reine Victoria! Vive la reine Eugénia! » Seulement voilà, vous n'aviez pas tout prévu d'accéder si rapidement au pouvoir. Si vous l'aviez su, vous auriez peut-être prêté une oreille plus attentive lors des enseignements de votre tuteur. Tous vos conseillers attendent que vous prononciez vos premières paroles en tant que reine. Qu'allez-vous faire? Et là, on a deux choix, soit de jeter la sorcière Brunhilde au cachot, ou d'hésiter un petit peu. Je pense que, comme toute bonne nouvelle reine, nous sommes un peu inquiètes, nous allons hésiter un peu. Vous voyez en difficulté votre plus fidèle conseiller, le sieur Radulf, vient à votre secours. Il profite de l'occasion pour prendre la parole et se lance dans un discours interminable qui assomme même les plus assidus. Une fois de plus, il vous endort sous des montagnes de références à l'ancien temps et des textes de loi vieux de plusieurs millénaires. Le peuple s'agite de plus en plus. Les gardes ont du mal à contenir les foules qui souhaitent sortir et retourner à leurs activités. La sorcière Brunhilde a même eu le culot de s'endormir sur son siège, pas du tout inquiète quant à son sort. Vous non plus, vous n'en pouvez plus, vous décidez de faire taire votre conseiller. Envoyez Radulf au cachot. Vous faites un signe discret à vos gardes qui s'empressent de s'emparer du conseiller. Il l'enchaîne et l'entraîne sous les cris angoissés vers les cachots. Le peuple ne comprend pas votre décision. Il prend peur, pensant que vous êtes victime d'un mauvais sortilège de la sorcière Brunhilde. Voyant cela, Brunhilde en profite pour jeter une malédiction en rigolant de façon hystérique. Sed velit enim dixim vita consecod laboris varis eget felis. La foule devient hors de contrôle et vous lapide. La reine Eugénia est morte. Vive la reine Constance. Votre mère, la reine du royaume d'Embaumie, et votre sœur aînée viennent de mourir de façon tragique. Les deux ont été tués par la sorcière Brunhilde. En tant que fille de la reine Victoria, vous vous retrouvez propulsée sur le trône le jour même.
Vous entendez à travers la fenêtre ouverte du château le peuple crier « Mort de la reine Eugénia, vive la reine Constance! » Seulement voilà, cela ne faisait pas partie de vos plans. Vous pensiez épouser un prince voisin et couler vos jours tranquilles à écouter des bardes et à broder. Si vous l'aviez su, vous auriez peut-être prêté une oreille plus attentive lors des enseignements de votre tuteur. Tous vos conseillers attendent que vous prononciez vos premières paroles en tant que reine. Qu'allez-vous faire? Jetez au cachot la sorcière Brunhilde. Le peuple vous acclame pour cette décision, car c'est bien connu dans la région, on n'aime pas trop les sorcières. Cependant, Brunhilde parvient à vous jeter une malédiction à la figure avant que vos hommes ne la bâillonnent en l'entraînant vers les profondeurs du château. Alors que le cri de la sorcière retentit dans les hauteurs de la salle du trône, le peuple retient son souffle, effrayé à l'idée d'être touché par le sort. La sorcière Brunhilde, fidèle à sa mauvaise réputation, rate son sortilège qui ricoche contre l'emblème de votre maison, la détruisant au passage et vient se poser sur votre conseiller ou votre chien. Le chien est juste beaucoup trop joli. On va y aller avec mon conseiller. Votre conseiller est pris d'une toux irrépressible. Il se tord dans tous les sens et devient violet. Vous le voyez s'agenouiller et alors que vous alliez appeler le guérisseur de toute urgence, vous entendez plop! Un nuage de fumée se forme autour de Radulf. Lorsque le nuage disparaît enfin, vous apercevez une forme toute petite à la place du conseiller. C'est un chien. Il se met alors à parler avec la voix du conseiller. Eh bien, qu'avez-vous à me regarder de la sorte? Vous préférez ne rien lui dire, il s'en rendra bien compte assez vite. Majesté, vous devez absolument prendre une décision, vous chuchote votre conseiller chien. Le peuple risque d'avoir un mauvais œil, de voir un. Le peuple risque de voir d'un mauvais œil tous ces signes. Votre règne ne commence pas très bien. Vous devez absolument montrer que vous êtes une reine forte, capable de gérer les pires situations. Ni une ni deux, vous faites évacuer la salle du trône et enfermer le conseiller chien Radulf aux côtés de la sorcière afin d'être débarrassé du problème. Bien, continue votre nouveau conseiller Landry, un grand sourire aux lèvres. Maintenant que l'ordre est revenu, je vous propose de vous attaquer à quelque chose de très important, votre emblème. En effet, lorsque la sorcière a jeté son sort, celui-ci a ricoché sur votre emblème qui s'est brisé sous la force de l'impact. Que me conseillez-vous donc, Landry? Je pense qu'un poulet serait tout à fait approprié, Votre Majesté. Faire décapiter votre conseiller pour ce conseil stupide. Je suis une reine forte et en contrôle. Votre conseiller est traîné dehors par les gardes. Par vous ne savez quelle magie, un nouveau conseiller se matérialise aussitôt à vos côtés. Il fait alors entrer une nouvelle plaignante. Il s'agit d'une religieuse qui vient vous voir pour vous demander de participer au financement de la construction d'un orphelinat pour les enfants. Piochez dans le trésor. Majesté, le trésor est bien bas. Si nous continuons comme cela, vous risquez la ruine. Je vous conseille de mettre en place une nouvelle taxe. Alors, comme nous venons de donner de l'argent aux religieux, nous allons taxer les religieux. Vous décidez d'imposer une nouvelle taxe pour les religieux. Après tout, ce sont eux qui veulent construire des orphelinats. Il n'y a pas de raison qu'ils ne participent pas. Cependant, les religieuses ne sont pas vraiment contentes de ce nouvel impôt et elles vous le font savoir. Voyant que vous ne reviendrez pas sur votre décision, celle qui était venue plébisciser votre aide vous maudit en vous et vous prédit des nuits d'insomnie. Je vais immédiatement me rendre au temple pour faire une offrande aux dieux. Bien entendu, je ne veux pas être victime de cette malédiction d'insomnie. Votre offrande est appréciée des dieux. Aussitôt rentré au château, vous vous installez dans votre grand lit moelleux et dormez plusieurs jours de suite, sans que vos conseillers n'arrivent à vous réveiller. Une fois remise de votre fatigue, votre conseiller vient vous voir. « Majesté, c'est terrible, les récoltes ont été détruites par une bande de brigands qui sévit dans la région. Vous devez agir. » Envoyez l'armée à la poursuite des brigands ou piochez dans la réserve du château pour nourrir le peuple. On sait que les réserves sont bien basses, mais il faut quand même venger ça. Donc, on va envoyer l'armée. Votre armée se précipite à la poursuite des brigands qui ont osé s'en prendre à vos paysans et leurs récoltes. C'est un vif succès. Cependant,
Quelques jours plus tard, votre conseiller vient de nouveau vous voir, la mine défaite. Majesté, Passion, comme toutes les fonctions je du crois que président, les est une brigands fonction ont parfaite jeté et un mauvais douloureuse pour un sort. régiment. Oh, C'est toujours excusez-moi, alors là, difficile on d'entendre est quelqu'un qui meurt. rendu. On va juste se mettre un petit peu de musique relaxante. Majesté, je crois que les brigands ont jeté un mauvais sort sur votre armée. Pourquoi dis-tu cela? Vous devriez venir voir par vous-même, Majesté. Suivre votre conseiller jusqu'à la salle des gardes, ou qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut le sommer de vous répondre. Je suis une reine quand même, hein? J'aimerais bien qu'il me réponde quand je lui parle. Donc, le sommet. Votre conseiller fait chercher votre armée et lorsqu'il vous ouvre la porte de la salle du trône, vous découvrez avec horreur que vos soldats ont été transformés en licornes. Elles sont certes très mignonnes, mais d'aucune utilité. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? On peut faire venir un sorcier pour lever la malédiction ou vendre les licornes pour renflouer les coffres de la couronne. Alors c'est un choix assez difficile parce que je sais que j'ai plus beaucoup d'argent, mais si mon armée disparaît, ça va être assez grave. Donc je vais faire venir votre sorcier, mon sorcier. Après de longues minutes d'attente, votre sorcier arrive enfin. Il constate ce qui vous préoccupe et se met à réfléchir en se frottant la barbe. Alors que vous commencez à montrer des signes d'impatience, il se met à gesticuler dans tous les sens. Au bout d'un temps qui vous semble interminable, les licornes semblent prises de tremblements. Elles s'agitent dans tous les sens et se convulsent. Alors que vous jetez un œil au sorcier, il n'a pas l'air du tout rassuré, vous entendez le blop sonore de l'armée et se transforme en dragon. Oh oui, se transforme en dragon assez épique, effectivement. La pagaille qui s'ensuit ne peut pas être racontée. Tout ce que vos hommes retrouveront de vous, du sorcier et du conseiller, ce sont quelques dents. La reine est morte. Vive la reine Éléonore! À peine entendez-vous cette clameur qu'un nouveau cri retentit aussitôt. Vous allez voir au balcon de la salle du trône, c'est votre peuple qui vous félicite. Cependant, plus vous tendez l'oreille, plus vous êtes surprise par la teneur de leurs paroles. Et ils ne disent pas: La reine est morte, vive la reine Éléonore, mais à mort la reine Éléonore. À présent, vous en êtes sûr, le peuple n'est pas du tout au pied du château pour célébrer votre couronnement, mais bien pour réclamer votre tête. Mais quoi, je viens juste d'arriver, j'ai rien fait. Vous cherchez du soutien tout autour de vous, mais votre sorcière est au cachot, votre armée est victime d'un mauvais sort, vos nobles ne vous apprécient plus vraiment, sans parler des religieux que vous avez négligés. Et de vos nombreux conseillers qui sont introuvables. Vous êtes seul, votre règne se termine aussi vite qu'il a commencé, c'est la révolution. Le château est détruit. Wow! Ok. Alors on voit que je me suis fait éclater, comme on dit par chez nous. Oups, excusez-moi, on va aller rechercher ça. Donc, y a-t-il un moyen de tout simplement recommencer cette histoire? J'imagine que oui. J'imagine que oui. Alors, on sait qu'on a quand même réussi relativement bien à survivre. Je dirais pas que c'était parfait comme situation, mais c'est souvent le cas la première fois qu'on va jouer une histoire interactive. Alors, c'était pas exactement assez long pour qu'on puisse s'endormir. On va donc le faire une deuxième fois, si vous êtes d'accord avec ça. Parce que, effectivement, c'était bon, hein? Je dois dire que après une lecture, j'ai bien aimé ça beaucoup plus que l'autre que j'avais fait la dernière fois. D'ailleurs, c'était beaucoup mieux écrit. Et ça, c'est important, surtout si on est pour le lire à voix haute. La qualité de l'écriture est vraiment importante. On sous-estime souvent, d'ailleurs, la place qu'ont les virgules et toutes ces choses-là dans des textes comme ça. Si j'avais su, justement, là, je sais un peu plus maintenant. On va essayer de se rendre encore plus loin et de ne pas faire de révolte dans le château. Ce sera la dernière lecture de la soirée.
Faire des petits lives de moins de 2 heures, ça peut être pertinent des fois. Alors, c'est parti. Le royaume d'Embaumie est en deuil. Sa reine bien-aimée vient de mourir. Elle avait tout de même régné 5 ans, ce qui est un exploit dans ce pays. Effectivement, on a vu ça, un pays assez chaotique. C'est votre tour désormais de monter sur le trône. Saurez-vous relever le défi? Je monte sur le trône. Votre mère, la reine d'Embaumie, vient de mourir de façon tragique. En effet, elle avait avalé une potion que sa conseillère, la sorcière Brunhilde, lui avait préparée. La reine pensait boire un philtre de vigueur, car de longues célébrations s'étaient déroulées depuis plusieurs semaines pour fêter l'arrivée de l'hiver. Cependant, la sorcière, encore éméchée de la veille, s'est trompée dans ses ingrédients et a préparé une potion mortelle. En tant que fille de la reine Victoria, vous vous trouvez propulsée sur le trône le jour même. Vous entendez à travers la fenêtre ouverte du château le peuple crier « Mort de la reine Victoria! Vive la reine Eugénia! » Si vous l'aviez su, vous auriez peut-être prêté une oreille plus attentive lors des enseignements de votre tuteur. Tous vos conseillers attendent que vous prononciez votre première parole en tant que reine. Qu'allez-vous faire? Sans hésiter, je vais. Et là, on y va avec un regard éclairé. Hein. Si j'avais su, c'est le nom de la nouvelle. Donc, jeter au cachot la sorcière Brunhilde. On le sait, c'est une tueuse dangereuse. Votre peuple vous acclame pour cette décision, car c'est bien connu dans la région, on n'aime pas trop les sorcières. Cependant, Brunhilde parvient à vous jeter une malédiction à la figure avant que vos hommes ne la bâillonnent en l'entraînant vers les profondeurs du château. La sorcière Brunhilde, fidèle à sa mauvaise réputation, rate son sortilège qui ricoche contre l'emblème de votre maison, détruisant l'emblème, et vient se poser sur... Encore une fois, je ne peux pas me résoudre à ce que ce sort affecte mon chien. Ça va affecter mon conseiller. Votre conseiller est pris d'une toux irrépressible. Il se tord dans tous les sens. Il est atteint du COVID-19. Vous le voyez s'agenouiller et alors que vous alliez appeler votre guérisseur, vous entendez plop! Un nuage de fumée se forme autour de Radulf. Lorsque le nuage disparaît enfin, vous apercevez une forme toute petite à la place du conseiller. Il est devenu un petit chien mauve qui se met à parler. Eh bien, qu'avez-vous à me regarder de la sorte? Vous préférez ne rien lui dire. Il s'en rendra bien compte assez vite. Majesté, vous devez absolument prendre une décision, vous chuchote votre conseiller chien. Le peuple risque de voir d'un mauvais œil tous ces signes. Votre règne ne commence pas très bien. Vous devez montrer que vous êtes une reine forte, capable de gérer les pires situations. Bon, ni une ni deux, et on va jeter Radulf aux côtés de la sorcière pour être débarrassé de notre deuxième problème. Bien, continue votre nouveau conseiller, Landry, un grand, large sourire aux lèvres. Maintenant que l'ordre est revenu, je vous propose de vous attaquer à quelque chose de très important, votre emblème. Que me conseillez-vous donc, Landry? Je pense qu'un poulet serait tout à fait approprié. La réponse sera la même. Tu seras décapité pour ce conseil stupide, Landry. Votre conseiller est traîné dehors par les gardes. Par vous ne savez quelle magie, un nouveau conseiller se matérialise aussitôt à mes côtés et fait entrer une nouvelle plaignante. Il s'agit d'une religieuse qui vous demande de participer au financement de la construction d'un orphelinat pour les enfants. Non, non, cette fois-ci, nous n'allons pas construire d'orphelinat pour les enfants. Je suis désolé. La religieuse repart en vous maudissant. Les dieux n'acceptent pas la pingrie, selon elle. Ils viendront vous hanter toutes les nuits, vous infligeront d'horribles cauchemars, vous condamnant aux insomnies. Aïe, 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 j'ai si peur, je vais me rendre immédiatement au temple pour faire une offrande aux dieux. Votre offrande est appréciée. Aussitôt rentré au château, vous vous installez dans un grand lit moelleux et dormez plusieurs jours de suite sans que vos conseillers n'arrivent à vous réveiller. Une fois remise de votre fatigue, votre conseiller vient vous voir. Majesté, c'est terrible, les récoltes ont été détruites par une bande de brigands qui sévit dans la région. Vous devez agir. Alors on va envoyer immédiatement, non, on va piocher dans les réserves pour nourrir le peuple, comme le fait le bon gouvernement que nous sommes en ce moment. Donc on va piocher dans nos réserves qui diminuent dangereusement, mais le peuple est content car il ne mourra pas de faim cette année.
Ce sont cependant vos conseillers et proches qui tirent quelque peu la tête, car leurs repas sont devenus moins frugaux. Pour le moins frugaux. Vous sentez monter une vague de mécontentement chez eux et décidez d'agir avant qu'ils ne le fassent. Est-ce que je les enferme au cachot ou je les renvoie chez eux? C'est difficile à dire. Est-ce que je serai d'une main de fer? Vous faites enfermer vos nobles au cachot. Vous avez toujours vécu au château et savez comme les nobles peuvent être parasites qui vivent au crochet de la couronne. C'est pourquoi vous décidez de les faire enfermer au cachot aux côtés de la sorcière Brunil. Après tout, ils seront nourris avec des rations pour les prisonniers, ce qui vous permettra de garder vos réserves plus longtemps. Alors qu'ils sont tous coincés dans les cachots, les nobles complotent aux côtés de Brunil. Ils parviennent à se libérer et vous finissez transformés en crapauds et jetés dans les douves pour servir de festin aux poissons. Aïe, aïe, aïe. La reine est morte. Vive la reine Emeline. Votre conseiller vient de nouveau vous voir, la mine défaite. Majesté, je crois que l'armée est victime d'un mauvais sort. Pourquoi dis-tu cela? Vous devriez venir voir par vous-même. Suivez votre conseiller jusqu'à la salle des gardes. Vous vous rendez avec votre conseiller jusqu'au baraquement des gardes, et lorsqu'il vous ouvre la porte, vous découvrez avec horreur que votre armée a été transformée en licorne. Elles sont certes très mignonnes, mais d'aucune utilité. Qu'est-ce que je décide de faire? Alors, la dernière fois, ça avait un peu mal viré quand on a décidé de les transformer en dragons. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement vendre ça pour renflouer les coffres. Vous décidez d'emmener vos licornes sur la place du marché vous-même afin de négocier avec les marchands cette juteuse affaire. La foule est attirée par ces créatures de légende et s'agglutine autour de vous. Lorsque vous les meniez tranquillement par la bride, les licornes se mettent à paniquer. Elles tirent sur leur longe, se bousculent, se cambrent, créant une vraie pagaille. Les licornes parviennent à s'enfuir, vous entraînant à leur suite car vous refusez de lâcher la corde. Vous finissiez piétiné. La reine est morte. Vive la reine Eleanor! À peine entendez-vous cette clameur qu'un nouveau cri retentit aussitôt. Oh, et là on sait, ça c'est le discours de révolution et de mort tragique de la part de la reine. C'est la révolution dans la ville. Vous êtes seul, votre règne se termine aussitôt qu'il a commencé. C'est la révolution. Fin. Alors, si j'avais su, sûrement que j'aurais joué différemment. Mais c'est la beauté de toutes les fictions interactives. Je pourrais m'acharner, la continuer, mais je crois qu'on va arrêter là. Très belle expérience, je vous invite à la faire d'ailleurs. C'est pas très long comme aventure. Je découvre de plus en plus les fictions interactives et c'est vraiment intéressant en fait de voir où les auteurs peuvent nous amener avec ça. Comme je vous ai dit, il y en a une que j'aimerais tellement qu'on puisse faire ensemble. Malheureusement, elle est en anglais. Et c'est tout à fait dommage pour ça parce que c'est vraiment absolument épique. C'est 5 livres, 5 volumes complets de super-héros. Peut-être qu'on pourrait le faire et le traduire comme en temps réel. Je ne sais pas si ça pourrait se faire comme ça. Il faudrait réfléchir là-dessus. Oui, effectivement, Simon5SS nous dit « Aïe, 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 c'était la pagaille dans la ville. Le plaisir de ces choses-là... Bon, ce soir, je voulais faire un live qui était plus soft, qui était un peu moins long aussi. On va essayer de faire de plus en plus de live au programme. Je peux peut-être même vous présenter notre plan d'attaque pour les prochaines semaines. » Histoire de vous teaser un petit peu. Je m'étais dit que j'allais pas vous présenter ça, mais je pense qu'on va quand même le présenter rapidement. Je veux pas que vous voyez tous nos secrets, parce qu'il y a des choses assez secrètes là-dedans. Mais on va faire une soirée Jackbox Party. Je sais pas si vous connaissez Jackbox Party. C'est des jeux...
J'appellerais ça du local multiplayer. Donc, bien entendu, c'est des jeux qui se passent sur la télé et les gens vont être sur leur téléphone cellulaire en même temps. Donc, oui, on en a déjà parlé effectivement de Jackbox Party. Je pense que ça va être vraiment très cool si on arrive à bien le faire. On sait que le direct, on essaie de pas trop jouer à des jeux en direct avec les gens. On sait que ça amène beaucoup de problèmes, en particulier au niveau du délai. Par contre, j'ai l'impression que sur Twitch, le délai est beaucoup moins grand que sur Facebook. Donc, ça va être assez intéressant. Je vous avais dit, on avait préparé une soirée Roll and Write. Donc, Welcome, Rolling Realms, Château de Bourgogne, Dice Game et Tetra Village, une exclusivité que personne ne connaît. Donc, je pense que ça va être assez intéressant. Sinon, avec le public, on a prévu un Château Aventure, un Crazy Theory, un El Maestro, un Dixit. Et depuis le début, on réfléchit sur l'idée de comment est-ce qu'on peut prendre des appels comme des lignes ouvertes. Eh bien, on va probablement faire des soirées lignes ouvertes sur Messenger. On ne sait pas exactement comment ça va fonctionner encore, mais vous allez pouvoir nous appeler et on va justement pouvoir discuter de jeu. On va faire une espèce de talk show sur le jeu et prendre des appels. Je pense que ça va être assez intéressant comme expérience. J'ai bien hâte d'essayer ça. Finalement, il reste beaucoup de lectures en solo, d'aventures du même genre, et je vais peut-être me lancer dans un roleplay solo qui peut être assez intéressant, surtout si on a quelques viewers qui sont motivés. Donc, j'ai vu des systèmes de roleplay pour jouer en solitaire. Alors, je pense que ça peut être assez cool. Finalement, les jeux au programme, on en a plusieurs. On a Era, on a Mini Rogue, Galaxy Trucker, Season, Terra Mystica, Rebellion, War of the Ring, Château de Bourgogne. Et le live qui m'excite particulièrement, en fait, ça va être le live de lundi prochain, le 6 avril. Bien entendu, je ne sais pas quand vous allez regarder cette rediffusion-là, donc le 6 avril 2020, mais si vous l'avez raté, il va être en rediffusion aussi. On va faire une partie de Quiet Ear, qui est l'un des jeux les plus étranges et les plus différents. Qui existe en fait, qu'il n'y a rien qui ressemble à ça. C'est un jeu de dessin, de roleplay, de gestion, de ressources, de communauté. Ça va être vraiment, vraiment très cool. Et on fait ça en plus en très bonne compagnie avec des invités spéciaux. Alors, j'ai vraiment hâte à ça. Je pense que ça va être vraiment, vraiment excellent. Sur ce, ben, c'était un live d'une durée respectable, hein. J'espère que vous avez réussi à vous endormir là-dessus. Il faut qu'on raffine encore un peu la formule. J'avais pas la bonne musique, j'avais pas ces choses-là. On va essayer de trouver aussi des histoires qui sont peut-être un peu plus longues, qui vont vous permettre de vous bercer lentement vers le monde des rêves. Encore une fois, je vous remercie pour votre écoute active. Comme on vous l'a dit, nous on fait ça, qu'il y ait une personne ou qu'il y en ait 100, ça nous dérange pas. On le fait pour passer un moment en bonne compagnie. On le fait aussi pour vous, les fans de Balado Ludique. Donc, sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. On a bien hâte de vous retrouver. Et n'oubliez pas, chaque jeudi, on sort toujours nos épisodes standards de Balado Ludique. On continue avec ça. On approche la mi-saison de la saison 7 qui a été complètement transformée par ça. On a peut-être un dernier commentaire pour la fin. Oh ouais, alors on n'est pas obligé de le dire, mais c'est vrai, on n'annonce pas beaucoup nos choses à l'avance. On va essayer de faire ça un peu mieux, de préparer un peu plus le terrain, justement pour peut-être que les gens soient plus prêts, qu'ils puissent se préparer à ça. On est encore dans le domaine de l'expérimentation au niveau de tout ce qui est Twitch, live et tout ça. Donc, on essaye de devenir vraiment bon avant de trop publiciser la chose. Mais effectivement, quand on a des soirées spéciales, je pense qu'on va les annoncer à l'avance un peu plus. Sinon, on essaye d'être spontané. Donc, encore une fois, merci tout le monde et bonne soirée. On se retrouve très bientôt.